Un tour du monde à l'envers à bord d'un trimaran de seconde main, c'est le projet Use It Again et le challenge du navigateur Romain Pilliard en escale à Tahiti. Le reporter Thomas Chabrol a suivi pour nous son arrivée. Regardez. Il vogue à nouveau sur les océans du monde. Ce trimaran a été reconditionné. C'est le projet Use It Again. Ce bateau a été construit en 2003 par Hélène MacArthur. Avec lui, elle a battu le record du tour du monde en solitaire en 2005. Après quelques années en mer, il a été abandonné pendant 6 ans. Le navigateur Romain Pilliard lui donne une seconde vie. En 2018, le navire a terminé 4e de la route du Rhum en classe ultime. Il était à l'état d'abandon, il n'était plus du tout entretenu, il était vraiment dans un sale état. On s'est dit que ce bateau devait renaviguer. Donc ça a commencé comme ça, d'où le nom Use It Again. Et l'idée, c'est derrière ce message, c'est effectivement montrer à tous que voilà, quand un bateau, en l'occurrence, est bien construit, il est là pour durer. Le mât, la bomme et les coques sont d'origine. Le reste, comme des poulies, des winches ou des voiles, sont des pièces reconditionnées. Grâce au principe de l'économie circulaire et du recyclage, le navire est reparti en mer début janvier pour tenter de battre le record du tour du monde à l'envers. Et donc utiliser les objets jusqu'au bout du bout, avec une deuxième, troisième, quatrième vie peut-être. La Terre ne peut plus assumer des bateaux et des projets dans tous les sens, neufs en permanence. Voilà. Après une casse au large du Cap Horn, l'aventure se poursuit sans record, mais toujours en cherchant des vents portants pour boucler la traversée du Pacifique. Tahiti marque la fin de la deuxième étape du tour. On arrive le long de Tahiti avec pas mal de vent. L'équipage de Use It Again pose les pieds sur terre pour 3 semaines. Les grands bateaux de course sont plutôt rares dans les eaux polynésiennes. Tahiti se positionne pour devenir une escale des grandes courses au large. On va faire venir du bateau de course en Polynésie, c'est l'objectif, c'est de positionner la Polynésie comme une étape pour ces organisateurs de grandes courses au large, que ce soit en individuel comme celui-ci ou en course avec plusieurs bateaux. Dans son voyage autour du monde, Use It Again se penche aussi sur la pollution sonore. L'équipage compte réaliser la première cartographie sonore des océans.